Men nani suka mono fella do hanki ngema bonon do woni fejiri hanki telema 19:30 ni se pude olumbi da trawo do ari don haure mabbe dido moto ati de pelni mo banko e watti non ko da do kadi bi bar na dido kadi bar mo be dun konto wadi ko T5 do yato kare pour onser on di non fellu bebe ko sori be kari ko sibon borno be civil na do civil dere ru sori be ne sori dere ru e depuis dun non non est ce que wodi himbe contact be on wana lambe be ni ma dun opposition la parno la meje tureo mo be quartier ay mamu be me yay men dab fureo inyasti pure gidi inyasti men tepini barmu be sino gidi barmu non Neng komeng arda ta reo di kala di sin. Tiki tiwa men juro ndere mak pedong. Emma kari men. Wan nema sidi pehet toto ma di imina delegasion ala e. Hauri tele ma vent wa de tanti. Wan de wala men. Sukan ko golle on do no wadde kanko ko diplome mi so sans emploi ok est ce que don ay sifana de men seda kon no sukan wayro kon no comporto famille ne mbajo ni mukala joka ko jangani kom mo ge buri ade e isim tol do sorti bombo ya ko diplome ancora ko diplome sans emploi jikko ma kon kon ma kon men me andiram ko bon suka de carte un cadre mo de carte un noy kon de temo en tele ma andiram kim gol me andiram ya on to kuranga lawri ma ko lawre be felli mo janu dum dum mon janu lawre janu hay to kare ko toramo mo nyago yar janu to sanko mo est ce que ande do mari goddum ko wana non be lambe on ni dama di lam ki di am ko wata wala do way tiri ni men ko wata wala la ni ko dam ne ma la ko innocent na ko ma puto yu ndo woni re ni ara min ko wa ko yon tangol am tangol ha be ben wa ko sina di sini Karena punya kau ya. Kau dengan lagi kau yang Kau dengan lagi Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment on vous appelle? Bandela, je vois car. Et on apprend malheureusement que votre frère a été tué par balle hier nuit, ici à Wanindara. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu dans les circonstances dans lesquelles il a trouvé la mort? Effectivement, c'est dans les environs de 19h, il est quitté à la maison pour aller chercher à manger. Du coup, il vient jusqu'à la T5. Au niveau de l'enfant vers Sarcinq, c'est ainsi que des bérets rouges sur une moto lui ont tiré une balle dans la tête avec deux autres personnes. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre frère brièvement, qui il était? C'est un jeune très calme, très sérieux et qui a fini les études. Tout récemment, il a fait le diplômé en relations internationales. De quelle université? De
le Sonfonia. Le Sonfonia, l'Université générale de Saint-Denis. Il était sans emploi, très sérieux et qui a eu une ambition très forte de réussir. Aujourd'hui, quel est votre état d'âme? Je suis sincèrement triste et très en colère. Franchement, je suis sans mots. Je suis vraiment sans mots. Je suis très en colère contre. Je demande au bon Dieu de vraiment rendre justice aux personnes qui ont fait cela. Et vous avez un mot à l'endroit du gouvernement? Je demande à l'État de vraiment prendre toutes ses responsabilités par rapport aux assassinats, non pas seulement par rapport à mon frère, et par rapport à tous ceux qui ont été abattus comme ça, des innocents qui ont perdu la vie comme ça. Et je demande vraiment à l'État de prendre toutes ses responsabilités afin de rendre justice aux victimes. GuinéeMatin.com vous présente ses condoléances. Merci. Du courage. Merci. Monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment on vous appelle? On m'appelle Baldé Mamadou. Et vous êtes ici à Wanindara. Je suis à Wanindara. Et malheureusement, on apprend qu'un de vos proches a été tué par balle. Oui. Hier nuit à Wanindara, ici. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon. Le jeune Amadou Aliou Baldé a été tué hier à Wanindara, tout près de sa boutique. Nous étions à 100 mètres de là-bas. Mm-hmm. On a entendu le coup de fusil. Ils sont descendus, ils sont partis sur le lieu. Là, on trouvé exactement un corps qui est poussé. On a cru que c'est lui, mais ce n'était pas lui. Mmh. On l'avait tiré, c'est-à-dire sur le lieu, mais on l'avait transporté à la clinique. Nous sommes partis là-bas, on a constaté vraiment que c'est lui. Et selon vous, bon, qu'est-ce que vous avez appris maintenant? Voilà, nous avons appris. Mmh. Qu'il y avait deux pick-up gendarmes qui étaient sur le lieu et une moto et deux bérets rouges qui étaient sur la moto. Un pick-up montait, l'autre descendait. Les pick-up de la gendarmerie ou de la police? De la gendarmerie. Mm-hmm. De la gendarmerie. Mm-hmm. Maintenant, le tireur était sur la moto. Ils ont dit que c'est béret rouge qui ont tiré sur l'enfant. Mm-hmm. Les trois personnes. Mais deux étaient morts sur place, l'autre était gravement blessé sur son pied. Et vous, quel est votre état d'âme aujourd'hui? Je suis trop triste, je suis trop ému. Je n'ai rien à dire. Mm-hmm. Et vraiment, je suis écœuré par rapport à la situation que je vois à chaque fois des enfants tués à bout portant. Parce que le jeune là, il n'était même pas dans la manifestation, il était à côté de sa boutique. Était assis à côté de sa boutique. On nous a tués sur place. C'est vraiment triste et regrettable. Mes condoléances. Merci. Si vous avez un moto, vous pouvez vous faire un moto.
Bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle? Je m'appelle Barry Tchano Mandari. Et vous êtes qui pour le défunt? Un ami proche. Et vous étiez ensemble hier nuit? Oui. Qu'est-ce qui s'est réellement passé au Carrefour Wanindar? Vous faites du comprendre. Vous pouvez continuer à parler. Allez-y, passer. S'il ne peut pas. Il peut. Vous faites du comprendre. Je suis un peu plus de temps. Minha grande mãe quando bem na minha voz junta quando eu mencionei de é muito que tinha um telefone que tinha de ir cala três zandam zand beirerus joaria muito feliz grande mãe quando não é peace park leve feliz onde yani três zandam moncati ari bem não cati gp feliz mo canco teba lo recebi onde três canco ofelama tu me olha que me ia andar no alta direct. Parce que nous avons fait la nuit, nous avons fait la nuit.
amé mando amé fondo law nani warirte joni be jokkie bari en gokki to be andudo alla ko goto ko wahidun be gollata do ko fo alla no reeni alla no andu kala e golle mo to be kallutu kambe kali yo be yurmi en yo be andu enen fo ko yimbe lagine en sikkuno en pullo ala soso ala manika ala ko be andine en jaka ko enen tum woni subde wa e taw men ka tuudi amen be warabe be warana men bi amen be warana men taada be amen e men en yumira ben sibi be taada be warabe honto men nawyata are ala ka men nawya men todi ke faabo be wurme men yo be accu be accu nanu ala ka men nawya yo be yafo yo be accu yo be andi woni hunda wotere wori yo be accu alla no reeni men tori ke be munyo enen ko andu en law e mandi ke seeda kono hari pullo ala e soso e mani mandu amen bila ya allo jallo ya sillami me den andi mi do faabi ha do do on tigi no mandi seeda kono sifa o dega ko me woni di du do jetati men hebaadi dum e laamu di do be accu de Allah yeggita hay goto kala golle mum o hettay min tori be yaako men ko mo anen fu ben tuna wale ko bi dem tuna wale dali la ben tuna wale men yumira be ge bela ben men nawi men nati ka sudu pay ko amen ko dabude no men wuri la bere wa Allah de jabaade ani meme ya be tamen de ande karedu amen Allah kadi nono wa itu dadu yo be andu Allah mum na yel kitabe de yande go kambe kan de bay hara men tori ke dun nene tori ke torane be dun torane laamu ngun e be pinkaje Allah no wa pinkaade kadi go jangi pinka Allah kadi no mar kural temugal e tapete ngal kambe kadi pellet kambe kadi be bay kural ga kural no be andi kadi tawa Allah be ko rabbe itu de wonki ene yetti Allah pay ko men ko itali wonki o goddo itti wonki makko yalla fewne ya ko be fo en hebi hande yibe temedere yibe tato hande temedere tato hande e modi nun ko ndew di yaro yeso kanko o yurma ka be do fo sorti ke lam makko ni be do kadde ngana ko den har ko dum do wodi ko mi yewto dum toro to papa walli teme toro den Allah en fo Allah fewne yaako hikki be yeso yaako da yaafa be Allah dandi wa mun padi yalla anni be bawdo en Allah mari bu ko di Allah yobbi ko woni wadde en torki Allah e fatti kan nabi Muhammad barki rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adhaban nar barki subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin ben torki faabo laabu walle be Allahumma salli ala sayyidina Muhammad no gonno magete don min ko hajji faato to baaji ko pati ko ko nene pati an ka nene ka baba ko mi woni jeeri nene makko min jeey baba Je m'appelle Tiana Abdrahman Sou. Oui, aujourd'hui vous êtes frustré face à toutes ces tueries qui sont en train d'être que les forces de l'ordre sont en train de commettre ici dans la zone sur l'axe Hamdallah et Bambeto Koza. Et vous voulez réagir et on vous écoute. Oui, je suis frustré comme tout un Guinéen, esprit de paix et patriotique. Je suis frustré en tant que Peul, tribu de Peul, je suis frustré en tant qu'homme digne et responsable. Vu ce qui se passe, aux yeux de tous et de toutes, soit national ou international. Encore de plus, nous demandons à l'ensemble des Guinéens de faire l'esprit de paix et de justice. Nous sommes tous des Guinéens. Nous demandons à la communauté internationale de regarder en face la situation de la Guinée, en particulier le tribu Peul, marginalisé, victime, séquestré, sélectionné. Parce que pourquoi je le dis? Vu depuis 8 ans, quand on regarde les victimes, la majorité c'est des Peuls. Sur une seule zone,
dans le capital. Des jeunes victimes à fleur de l'âge, entre 14 à 45 ans. Chaque manifestation, on tue, cautionné par le pouvoir en place. Pourquoi je le dis cautionné par le pouvoir en place? Il n'y a pas des enquêtes, il n'y a pas de justice. Et que la communauté internationale, à travers la Nations Unies, comme ils ont aidé le Rwanda, la Somalie, ainsi de suite, d'aider la Guinée, particulièrement la communauté Peul, qui est victime de pouvoir en place. Et je m'adresse aussi aux différents coûts sociaux de ces pays. La communauté Halipula, de dire la vérité en face, de ne plus se masquer en face de ce pouvoir. Et je le dis aujourd'hui à travers d'une lecture que Hitler avait utilisée en France pendant la guerre mondiale. Il nous disait, il ne faut jamais tuer les vieux, mais plutôt tuer la jeunesse, parce que quand vous tuez un père ou la mère, le fils se vengera. En âme et conscience, c'est le même scénario qui se passe en Guinée. Parce qu'on rentre dans les constitutions, on tue, on séquestre, on emprisonne sans justice. Si je demande à l'union de tout le peuple de se ressaisir, pas à travers une guerre, mais à travers d'une union nationale et internationale. Oui, justement, l'opposition républicaine a appelé ce jeudi à une nouvelle manifestation. Est-ce que vous ne craignez pas une escalade de violence justement sur ce axe? Je crains parce que c'est le pouvoir en place qui cautionne. Quand il n'y a pas la police ni la gendarmerie qui rentre dans les concessions, il n'y a pas de dégâts. Ils ont manifesté ici à plusieurs reprises où celle-là allait saluer Bafoué, Antonio Bafoué à l'aéroport. Ce jour-là, il n'y a pas eu de victimes. Donc, moi, pour moi, c'est le pouvoir en place qui cautionne. Quand la gendarmerie vient, ils disent qu'ils n'ont pas de fusil. Mais tout le monde voit dans les réseaux sociaux.